Éloignez-vous! Alliez-vous, allez! Vive tout le monde dehors! Allez, allez, allez! La voie est libre! Feel so empty, so deserted and so lonely. But now you took that pain away. No anger, no more furies, no fears living inside me. Now you love me, and I love you just the same. Le pour et le contre. Ma réponse est oui. Ah, très bien. Alors je suppose qu'il ne me reste plus qu'à te poser la question. Je suis prête. Elle est superbe. Toi et moi pour l'éternité, mon amour. Forrester. Bonjour, Max. Capitaine Dyer, c'est un plaisir de vous entendre. N'en soyez pas si sûr. Il se pourrait bien que ce que j'ai à vous dire vous déplaise. Certaines informations sont remontées jusqu'à moi. Et j'ai pensé qu'il fallait que je vous montre ça. Je vous l'envoie tout de suite. C'était pris hier matin. Max? Oui. Je l'ai reçu. Il n'y a pas de doute possible. C'est Sacha. Notre reconnaissance faciale l'a formellement identifié. Ce qui inquiète certaines personnes, comme vous pouvez le voir, c'est qu'elle se déplace librement. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. Mais alors, si on l'a pas enlevé, ça n'a absolument aucun sens. Vous connaissez la procédure. Ils ne tarderont pas à envoyer une unité pour retrouver Sacha et la ramener ici. À ce qu'on raconte, ils ont l'intention d'inculper de désertion, même pire encore.
C'est absurde. Écoutez, ça ne m'enchante pas non plus. Et vous le savez, mais elle est en possession d'informations qui sont classées secret défense qui pourraient intéresser de nombreux terroristes. Je veux juste savoir où elle est. En Libye. À Small Island. C'est tout près de la côte. C'est tout ce que je sais. Merci, capitaine. J'apprécie. Vous inquiétez pas, je serai discret, je me mets en route tout de suite. Non, 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 attendez une minute. Si jamais vous la trouvez, faites-le-moi savoir. Contactez-moi sur mon portable, vous devez encore avoir le numéro. Je ferai le maximum pour vous aider d'ici. D'accord. Merci, capitaine. Max. Arrangez-vous pour la trouver avant eux. S'il vous plaît, vous n'auriez pas vu cette femme. S'il vous plaît. Vous n'avez pas vu cette femme? Merci. Je suis content de voir que t'as pas perdu ton punch. Mon Dieu, Max, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu pour te retrouver. Je peux savoir ce qui se passe. T'aurais pas dû venir, Max. Non, 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 une minute. Ça suffit, lâche-moi, s'il te plaît. Sacha! Tu veux faire quoi, là? Ouais, tu veux quoi? Ne m'aide pas à comprendre, les mecs. Reste là! Explique-moi, je comprendrai peut-être. Salut, ma belle. Dis bonjour à mes amis. Salam alaikum. Salam alaikum, salam. Je vois que tu as trouvé mon cadeau. Merci, elle est superbe. Fargini, montre-moi.
Montre-moi. Nous allons au Paradise Hotel. Roule. Assieds-toi. Oui, Max, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai trouvé. Je vous envoie quelques photos. Voyez ce que vous pouvez en tirer. Max. Je me fous de ce que t'as à me dire. Je veux juste que tu me dises la vérité. La vérité, c'est que je pensais ne jamais te revoir. Je dois comprendre quoi, Sacha? Tu te rends compte que ça fait 2 ans, putain, mais t'étais où? J'ai jamais parlé. Pas une seule fois. Je suis restée enfermée dans une cellule pendant plus d'1 an. Et j'espérais que je leur apprendrais quelque chose d'important. J'ai appris comment ils s'appelaient. J'ai appris à parler arabe. Et ça les a convaincus que je leur serais plus utile vivante. J'ai déchiffré des messages codés. J'ai joué au chat et à la souris avec les Irakiens. Ils espéraient toujours que je leur apprendrais quelque chose d'important. Je pouvais contacter personne. Tout le monde devait me croire morte. Je suis désolé. Il ne s'est pas passé 1 seul jour sans que je pense à toi. Je savais pas si t'étais morte. Ou encore en vie. Ni quel genre d'épreuve tu pouvais traverser. Si j'avais su ce qui t'arrivait, j'aurais pu agir différemment. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit qu'entre nous, c'était pour la vie. Je le pensais. Et je le pense toujours. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Non, Max, je veux pas faire ça. Écoute, ta photo a atterri à la CIA. Ils savent que t'es vivante et que tu te trouves sur cette île. Oh, merde. Faut
absolument qu'on parte tout de suite. Sacha, dans moins de 12 heures, une unité des forces spéciales va arriver pour te ramener à la maison. Ils veulent t'inculper de trahison ou de désertion. Mais c'est n'importe quoi. Je suis d'accord, mais ça ne change rien au fait qu'il faut que tu partes d'ici avant qu'ils ne t'attrapent. Il y a à peine 5 minutes, t'étais pourtant prêt à... Oui, je sais. Seulement, j'ignorais ce que je sais maintenant. Si t'avais été à ma place, t'aurais fait la même chose. Ce serait plutôt à toi de te mettre à ma place. Je veux juste que tu répondes à une question. Pourquoi t'es allé voir ces types tout à l'heure? Je peux pas te le dire. Mais il faut absolument que tu me fasses confiance. Je pensais à toi tout le temps. Colonel Bunker, quelle surprise, que puis-je faire pour vous? Nous avons appris qu'un de vos soldats d'élite, porté disparu, le lieutenant Sacha Villanov, avait récemment pu être localisé sur une petite île au large des côtes libyennes. Voici les agents Stubbs et Banks de la CIA. Ils ont eu l'extrême gentillesse de nous offrir leur assistance pour la récupérer. Elle fait partie de l'armée. La CIA n'a aucune autorité. Capitaine, sur... d'ailleurs, elle a disparu il y a 2 ans. Le lieutenant Villanov était considéré comme étant soit morte, soit retenue prisonnière, l'un ou l'autre. Alors je crois que nous avons toute la raison d'être là. Mettons les choses au clair. Les circonstances de sa disparition sont pour le moins suspectes, vous en conviendrez. Alors, dans l'intérêt de la sécurité de notre pays, l'agence a décidé de prendre part active dans la conduite de l'enquête. Nous comptons sur votre totale coopération. Vous l'aurez. Bien sûr, mais comment puis-je vous être utile? Nous avons besoin de pouvoir analyser le maximum de données possibles. Alors, à partir de maintenant, c'est le colonel Bunker qui va assurer le commandement de ce poste. Nous avons besoin de vos ordinateurs, nous avons besoin d'avoir accès à tous les dossiers qui se rapportent à Villanov, afin de pouvoir commencer à établir son profil. Soldat Brown. Oui, chef. Faites en sorte de satisfaire à la moindre de leurs demandes. Oui, chef. Messieurs, il faut que vous sachiez que Sacha Villanov se trouve actuellement sous bonne garde. Quoi? J'ai fait le nécessaire pour qu'elle soit amenée ici afin d'y être interrogée. Peut-on savoir où elle se trouve? Sur Paradise Island, au Paradise Hotel, chambre numéro 8. J'ai envoyé MacDonald les rejoindre. Capitaine Dyer. Je pourrais savoir qui est avec elle. Elle est avec Max Forrester. Max Forrester. Très bien. Dites à ce MacDonald de rester où il est. À partir de cet instant, c'est nous qui prenons la direction des opérations. On part dans 5 minutes. Allez,
Ma mère disait toujours que si on reste suffisamment longtemps au même endroit, le monde entier finira par y passer. Et te voilà. Nous aimerions nous entretenir avec vous. Max Forrester ? Ouais. Nous recherchons Sacha Vilanoff. Eh ben, vous êtes pas le seul. Où est McDonald ? Un empêchement. Est-ce que vous allez nous dire où elle est ? Désolé, les gars. Je rendais compte qu'au capitaine Dyer en personne. Une minute ! Très bien. Maintenant, tu vas me dire où est Vilanoff. Je vais compter jusqu'à 3, 2, 1. Elle est tout près d'ici. Je peux lui téléphoner. Oh, vas-y, appelle-la. Alors, qu'est-ce que tu attends ? C'est moi, j'ai trouvé Forrester et Vilanoff. Ils se sont enfuis dans la forêt. Vous êtes sûr que c'était elle ? Eh, ça ne fait aucun doute, c'était elle. Ça ne fait aucun doute ? Voilà Jean Banks. Forrester l'a éliminé. Bon, retournez à l'hôtel et ne bougez pas, je vous envoie une équipe pour vous aider. Nous vous retrouverons là-bas. D'accord, j'y retourne. Pauvre tâche. Il y a un tunnel. On va pouvoir s'y reposer un peu. Oh merde. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu devais rester ici. Je sais. Il est trop tôt. Tu le sauras plus tard. Sacha, j'ai tué un agent de la CIA qui était venu pour te retrouver. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour me faire confiance ? Moins t'en sais, mieux ça vaut. Tout ce que je peux te dire, c'est que je me suis mise toute seule dans cette situation. Et que je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. Que je vous expose la situation. Là, c'est la forêt, et là, c'est le ré du bois. C'est à cet endroit que je les ai vus pour la dernière fois, dans ce coin, juste là. Vous parlez de Vilanoff ?
Oui, une fille assez grande, 25 ans environ, cheveux noirs, mignonne, très mignonne. Le genre de fille que j'aime. Nous allons devoir passer par là. Non, non, non. C'est moi qui dirige les recherches, c'est mon opération. Sans vouloir vous offenser, Stubbs, vous pouvez retourner au Pentagone maintenant. Quelles que puissent être vos valeureux faits d'armes. C'est à moi de ramener Vilanov. Vous, vous êtes là uniquement comme soutien et rien d'autre, alors... Allez préparer votre équipement. De toute évidence, ça sera pas une partie de plaisir. Allez chercher de quoi manger. Des nouvelles de Forrester? Oh, quoi? Est-ce que vous avez des nouvelles de Max Forrester? Non, aucune. Écoutez, tout ce que nous voulons, c'est les ramener ici pour leur poser quelques questions, c'est tout. Autre chose? J'ai dit autre chose. T'en as mis du temps. Voilà la bouffe. Hé ! Hé ! Ne nous ont pas remarqué. J'aime pas ce type. De toute façon, Switch, tu n'aimes personne. Si, toi, je t'aime. Dans tes rêves, compte sur moi. Sois prêt à tourner à gauche. Bouge plus. Les mains en l'air. Lève les mains. Avance un peu. Avance. Passe devant moi. Ça suffit. Reste là, mets bien tes mains en arrière. Ne bouge pas. Parfait. Passe tes mains là-dedans. Et voilà. Maintenant, avance. Doucement. Tout doucement. Je te ramène à la maison.
Bien essayé. Maintenant lève-toi, ou j'hésiterai pas à te tuer. Magne-toi, je ne te le dirai pas deux fois. Lâche ton arme. C'est bon, ouais. Pourquoi tu nous poursuis? Mes ordres sont de la ramener à la base, morte ou vivante. Elle travaille pour Al-Qaïda. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de lui? Cette fille a trahi notre pays. Si tu me demandes de le tuer, je le ferai. Dis quelque chose, Sacha. Il fait partie des gentils ou pas? Parce que si c'est le cas, son but est plus que clair. Soit il te ramène à la base, soit il te tue. Dis quelque chose! Si tu ne me dis pas tout de suite la vérité, c'est moi qui vais te ramener à la base et je les laisserai t'interroger. C'est ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Si jamais tu me mets hors du coup maintenant, Max, on saura jamais qui a volé les armes. Relâche-le. Ça s'est passé il y a environ 6 mois. Un chargement complet de missiles Stinger a disparu d'une de nos bases, à 65 km au nord de Bagdad. Ceux qui ont fait ça sont sur le point de vendre des armes à Al-Qaïda. En quoi es-tu impliqué là-dedans? J'ai organisé toute la transaction pour Al-Qaïda, par l'intermédiaire d'Ahmed. Qui est le vendeur de missiles? Je le saurai au moment où la transaction aura lieu. Nom de Dieu, vous êtes cinglé! Seulement si tu m'empêches de continuer, on ne saura jamais qui a volé ces armes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Rentrez à votre hôtel. Je vous contacterai le moment venu. Tant que vous le sachiez, il y a d'autres types qui sont à votre poursuite. Le gars qui les commande s'appelle Ghost. À l'hôpital, les gars. Alors, vous savez où sont Forrester et Villanoff, maintenant? Quoi? Aidez-moi! Restez pas comme ça! Je vous le redemande une dernière fois, agent Stubbs. Va te faire foutre! T'auras pas besoin de ça. Remettons-nous en route. Qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin... Conduisez-moi à l'hôpital! Vous pouvez pas me laisser là! Vous allez le payer cher! Aidez-moi! Vous finirez... Bien, capitaine? Oui, je me demandais juste combien de temps vous alliez monopoliser mon poste de commandement. Juste le temps que nous attrapions Forrester et Villanoeuf, ce qui, selon moi, ne devrait pas être très long. Relax. Pour moi, c'est des vacances.
À toi de jouer. Il faut qu'on sorte de ces collines. Si on doit tenir une position, vaut mieux que ça se passe ici. Merde, où ils sont? On était juste derrière eux. Continuons à chercher. C'est juste une question de temps. J'ai un réseau, mais c'est très faible. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve que j'ai jamais contacté personne. C'est vrai, je te le jure. Il y a absolument tout sur cette carte. Max, maintenant il faut que tu partes. Prends la carte avec toi. Non, pas question, Sacha, je partirai pas sans toi. Quand doit avoir lieu la transaction? Tout à l'heure. Pas loin d'ici, mais je sais pas où exactement. Tout s'explique. Quoi? Pourquoi les militaires enverraient-ils toute une unité pour ramener un seul soldat? C'est un petit peu excessif, tu trouves pas? Le commando de l'ombre n'est pas venu là pour te ramener. C'est eux qui vendent les missiles Stinger. Tu leur as juste servi de prétexte pour venir ici. Ils t'ont piégé avec cette photo. C'est Ahmed qui l'a prise. Aucun agent ne se trouvait sur cette île.
Carmen s'est servi de toi. Oh, le fils de... Il va falloir qu'on se barricade et qu'on les retienne le plus longtemps possible. Recouvre les portes et les fenêtres avec tout ce que tu pourras trouver. Du nouveau ? Oui. Le commando de l'ombre a localisé Forrester et Villeneuve. Ils sont à leur poursuite. À leur poursuite ? Oui, à leur poursuite. Forrester essaie de l'aider à s'enfuir. Ça fait de lui son complice. C'est totalement ridicule. Ils vont les ramener ici et nous connaîtrons toute la vérité une fois que nous les aurons interrogés. Et s'ils sont aussi loyaux qu'ils veulent bien nous le faire croire, ça ne devrait pas être un problème. Ça n'aurait jamais dû être un problème, capitaine. Ça n'aurait jamais dû en être un. Max, qu'est-ce qui se passe? Il nous attaque, chef. Je vais vous envoyer des documents qui prouvent que Sacha ne nous a pas trahis en travaillant pour Al-Qaïda. Elle essayait d'empêcher la vente des missiles Stinger qui ont disparu. Je ne veux pas que ces documents soient divulgués avant que vous ne les ayez examinés personnellement. Je pense que ceux qui nous ont envoyé ces hommes ont aussi volé des Stinger. Compris. Écoutez, rappelez-moi. Je vais renvoyer votre appel sur l'ordinateur qui est chez moi et puis j'examinerai tout ça là-bas. Laissez-moi à peu près 30 secondes. Entendu. Ils sont où maintenant? Ils sont à la lisière de la forêt. Très bien. Ne reste pas à côté des fenêtres. Et surtout, ne tire pas avant que je te le dise. Capitaine, combien de temps le colonel Bunker va-t-il encore monopoliser nos ordinateurs? Je ne peux absolument rien faire sans avoir eu son autorisation. On s'occupera de ça plus tard. Il y a plus important pour l'instant. Ça doit absolument rester confidentiel parce que je suis surveillé de près. Max Forrester vient de m'envoyer un dossier crypté. J'ai fait renvoyer son appel sur mon ordinateur personnel qui est chez moi. Je ne pense pas pouvoir m'éloigner d'ici sans éveiller les soupçons, alors j'ai besoin que vous alliez là-bas. Examinez le dossier, décodez-le, faites tout ce que vous avez à faire et venez me dire ce que vous avez trouvé. Les mots de passe sont tous au dos de cette carte. Je peux compter sur vous? Oui, chef. Très bien. Allez-y. Colonel. Bon. Je viens de voir le capitaine Dyer transmettre des informations à l'un de ses hommes, qui ensuite s'est empressé de partir. Ah bon? Ok. Alors allez-y, réglez ça. Bien, chef. Hé! Non, vous savez quoi faire. Allez-y. Sors de là. Allez, sors. Tends-toi. Où est Max? Juste derrière toi. Ice. Il n'y a personne. Ils étaient là, mais ils sont partis.
On ne tiendra pas longtemps, capitaine. Je ne peux absolument rien faire tant que je n'ai pas récupéré le commandement. Et Brown est parti examiner vos documents. Ça ne devrait pas lui prendre plus d'une vingtaine de minutes. On n'aura pas autant de temps. On fait le maximum. D'ailleurs. Hey. Oui. Dites-moi, votre soldat. Celui qui était assis là-bas. Brown. Brown, oui, où il est? Ah, je l'ai envoyé faire une course. Ah bon? Oui. Au nom de quelle autorité? De la mienne. De la vôtre? Oui, je l'ai envoyé me chercher mes médicaments. Et des médicaments? Vous êtes dépressif. Alors écoutez, la prochaine fois, demandez-moi d'abord mon accord. C'est moi qui commande ici, pas vous. Ok. N'oubliez pas. D'accord, colonel. Salut, Max. Espèce de traître! Ça, c'est la merde. C'est toi qui veux me donner des leçons. Tu veux m'apprendre ce que c'est que la loyauté? Oh. T'es fan de sport, hein, Max? Ce que je trouve étonnant, c'est que tous ces athlètes, tous ces golfeurs, ces basketteurs, ils nous en sortent de nouveau chaque année et ils gagnent des centaines de millions de dollars. Hmm? C'est parfaitement justifié, t'es pas d'accord? C'est les meilleurs joueurs, non? Dans leur domaine, c'est les meilleurs. Seulement, quand on y pense, ils n'affrontent qu'une seule ville à la fois. Par exemple, New York, ou Miami, ou Dallas. C'est tout. Je te conseille de pas faire ça. J'ai une équipe de pros. C'est même mon équipe. Et tu sais ce qu'on fait? On joue pour l'ensemble du monde libre. Et un jour, un gamin sort de l'ombre et il se met à gagner 10, 20, 50 millions de dollars. Et il est libre de gagner ça. Grâce à mon équipe. Il est libre de gagner ce fric. On ne joue pas au ballon. On ne cire pas le banc de touche. On ne se contente pas du minimum. Est-ce que tu penses qu'on se contente du minimum? Tout à l'heure, tu m'as reproché d'être un traître. Mais la guerre est un business, un énorme business. Mais tout ça te dépasse. Et tu vois, aujourd'hui, notre pays fait preuve d'une telle reconnaissance qu'ils n'ont pas les moyens de me payer à ma vraie valeur. Alors je dois me payer moi-même, parce que je suis le capitaine. Le capitaine d'une équipe qui rencontre que des stars. Pas toi. Reste là. Autrement, tu ne serais pas là, dans cette situation. On fait quoi de celle-là? On la renvoie à Ahmed, d'Al-Qaïda. Ou à celui dont elle est la pute.
souris, pourquoi? Je connais ton point faible. Et alors, c'est quoi? Un jour, toutes tes belles actions héroïques seront mises dans l'ombre par un seul fait. De quoi s'agit-il? Tu n'es qu'un vulgaire petit voleur. Ouais, il m'arrive parfois de pardonner. Mais tu vois, parfois, l'action en dit plus long que les longs discours. Tu essayes de te rassurer? Non. Je voulais juste te laisser un petit souvenir de moi. T'en as plus pour très longtemps. Alors profites-en. Ensuite, débarrasse-toi de lui. Quand tu lui mettras une balle dans la tête, je veux qu'il t'ait donné les noms de toutes les personnes à qui il a parlé depuis 72 heures. Tu sais où nous retrouver. Je serai là. L'objectif a été neutralisé, je vous recontacterai demain matin. Ok. Ok. Tiens-toi tranquille. Tu vas effacer ce que t'étais en train de regarder. Pose tout de suite ton arme. T'as compris? Pose ton arme. D'accord. Je vais la poser. Reste tranquille. Même si je le faisais, t'es beaucoup trop stupide pour te servir de ça. T'es un petit comique, toi. Tu sais, j'ai toujours entendu raconter des choses incroyables sur le grand Max Forrester. Oh, c'est le gars que rien n'arrête. Mais en te regardant, là, c'est pas ce que je vois. Je suis désolé de te décevoir. Tu sais, j'ai juste appuyé sur la gâchette pour devenir le héros du jour. Hein? Tout le monde sera au courant que c'est moi qui t'ai éliminé. Tes parents vont enfin pouvoir être fiers de... Va te faire foudre! Aide-moi. Hé! Hey, tu veux bien fermer ta gueule? Matador, ne me laisse pas comme ça. Ferme-la, t'es déjà à moitié mort. Je t'en supplie. Pauvre imprudi. J'adore ce regard, de la pure haine. Où ils sont partis? Réponds-moi, je peux t'aider. Le hangar numéro 2. Capitaine Dyer. Quoi? C'est terminé. Écoutez, capitaine. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir à vous l'apprendre. Mais Forrester et Milanov sont morts. Ils ont tenté de s'enfuir. Quoi? Espèce de fils de pute. Vous saviez que ça finirait comme ça?
J'espère au moins que vous êtes fiers de vous. Capitaine, écoutez-moi. Je préfère vous prévenir tout de suite que dans votre intérêt, vous toute cette histoire, tout ça, c'est rien d'autre qu'un ramassis de conneries, bon cœur. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous n'avez rien su faire d'autre que tuer nos hommes, nos propres soldats. Taisez-vous ! Je ne vous autorise pas à me parler sur ce ton. Est-ce que c'est bien clair ? Et maintenant, prenez bien garde à vous, capitaine. Car vous êtes sur le fil du rasoir, mon vieux. Faites bien attention. Oh, que je fasse attention. Je vous préviens que je vais faire une enquête sur toute cette affaire. Et je vous assure que je finirai par découvrir toute la vérité. Et si vous avez la moindre chose à vous reprocher, alors là, je peux vous assurer que vous le payerez cher. Je vous interdis de me toucher. Allez-y, faites votre enquête. On y va, les gars, on remballe tout ça. On remballe tout ça, c'est terminé. C'est compris, on a terminé notre boulot. Emballez-moi tout ça, bordel! Allez, dehors, vous avez entendu? Allez, allez, foutez le camp! Capitaine, je vous interdis de leur parler. Ce sont mes hommes, ils sont sous mon commandement. D'accord. Encore une dernière chose. C'est où vous voulez, quand vous voulez. Le colonel Bunker m'a fait suivre par un de ses hommes. Il est entré et m'a menacé. Alors j'ai dû le tuer. Oh non, c'est pas vrai. Pour vos documents, ils expliquent comment Sasha a collaboré avec Al-Qaïda. Elle ne nous a pas trahis. Elle s'est arrangée pour les convaincre de la garder comme une sorte d'intermédiaire pour négocier la transaction. Vous deux, suivez-moi. Le gars m'a pas parlé correctement, alors croyez-le si vous voulez, mais je l'ai tué. Je tue tout le monde. Bon, cœur. Allons-y. Hein? Oh. Un instant. Écoutez, je... Honnêtement, j'ai plus de temps à perdre avec vos ridicules petites menaces. Vous pouvez m'expliquer pourquoi un de vos hommes a été trouvé mort à l'intérieur de ma maison? Non. Aucune idée. Faites encore un seul pas et il vous tue. C'est pour le fric. Je voulais juste du fric. D'ailleurs, je peux... Écoutez. J'ai tout donné, absolument tout, pour les Marines. Et vous aussi. Je suis dedans depuis que j'ai 18 ans. Toute ma putain de vie. Ils s'en foutent totalement. Vous savez, ils en ont rien à foutre. Et vous savez comme moi dans quel merdier on est ici. Non. Tout ce qu'il y avait de bon en moi, je leur ai donné. J'ai tout donné pour que ces fils de pute puissent être libres. Ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en battent les couilles. Bon, d'accord, d'accord. De toute façon, c'est le gosse qui a eu l'idée. On l'a rappelé pour créer le commando de l'ombre. C'était un prétexte pour la transaction. Oh de Dieu. Alors ça veut dire que c'est lui qui et les Stinger qui ont disparu. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le stopper? Rien, il est trop tard. C'est terminé. Emmenez-le. Non, faites pas ça. S'il vous plaît, capitaine, je vous en supplie. Faites pas ça, s'il vous plaît, je vais passer le reste de ma vie en prison. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Faites tous les deux partie du corps des Marines. On est de la même famille. Vous savez ce soldat de 18 ans? Oui, vous êtes aussi passé par là. Vous avez connu ça, comme moi. Mais moi, j'ai jamais tué aucun de mes hommes. Virez-moi ce salopard de là tout de suite. Capitaine, je vous en supplie, faites pas ça. J'ai passé le restant de mes jours en prison, faites pas ça, je vous en supplie. Messieurs, comme vous le savez, le président a décidé de ne plus envoyer de nouvelles troupes en renfort.
Mais de mon point de vue, il s'agit d'une énorme erreur. Nous sommes totalement dépassés à la frontière. Il faut que nous fassions quelque chose. Oui. Général, le capitaine Dyer est en ligne. Il souhaite vous parler de toute urgence. Passez-le-moi. Excusez-moi, messieurs, je dois prendre cet appel. Capitaine Dyer ? Général, j'ai pu localiser les Stingers volés. Ils sont sur Paradise Island. D'où tenez-vous cette information, capitaine ? C'est une confession du colonel Bunker. Il est impliqué avec le commando de l'ombre. Il semblerait que ce soit Ghost qui dirige cette opération. Avez-vous la preuve de ce que vous avancez ? Oui, général. Passez-moi tout de suite le capitaine d'ailleurs, ça peut pas attendre, c'est urgent. Capitaine, j'ai Max Forrester en ligne. Général Ross, vous voulez bien m'excuser une minute ? Max ? Je croyais que vous étiez mort. Oui, moi aussi. Je suis actuellement en communication avec le général Ross. Nous sommes au courant que Ghost a les Stingers. Je vais nous mettre en conférence. Ne quittez pas. Général Ross, Max Forrester est en ligne. Général, le commando de l'ombre a conclu un accord pour vendre les Stingers à Al-Qaïda. Est-ce que vous savez quand la transaction doit avoir lieu ? Je suppose que ça va être dans l'heure qui vient. En ce moment, nous n'avons personne dans ce secteur. Et le temps d'envoyer une équipe, il sera trop tard pour empêcher cette vente. En ce moment même, je suis en route pour le port. Je ferai de mon mieux pour les ralentir. Max, vous comprenez bien qu'il est hors de question qu'Al-Qaïda mette la main sur ces Stingers. Alors je veux que vous utilisiez toute la force nécessaire afin de faire en sorte que cette transaction n'aboutisse jamais. Oui, général. Je vous envoie des renforts le plus vite possible. Merci, général. Je crois que nos chances de réussite sont beaucoup trop faibles. Et je pense que nous ne pouvons pas compter uniquement sur Forrester pour régler ça. Le risque est beaucoup trop grand. D'ailleurs... Oui, général. Je veux que vous vous connectiez au satellite. Transmettez-lui toutes les coordonnées du lieu de la transaction. Et général... Je suis désolé, capitaine. Mais je n'ai pas le choix. Je vais immédiatement ordonner des frappes aériennes. Est-ce que c'est clair ? Oui, général. Soyez prêts à envoyer les coordonnées du port de Paradise Island. Je m'en occupe tout de suite.
suis au port. Ils vont lancer une attaque aérienne. Vous devez partir tout de suite. Non, je peux pas. La transaction n'a pas eu lieu. Partez tout de suite, sinon ce sera trop tard. Capitaine, ils ont Sacha. Max, vous devez absolument partir de là tout de suite. Capitaine, faites ce que vous avez à faire. Je partirai pas d'ici sans elle. Tu sais que j'ai vraiment failli me faire du souci pour toi. Sharamoda, tu n'es rien d'autre qu'une petite salope. Tenons-nous-en à nos affaires, vous voulez bien. J'ai une demande du commandement pour que nous transmettions les coordonnées. Je dois faire quoi ? Tout ce que vous nous avez demandé est là. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais les examiner. Montrez-moi la couleur de votre fric, et vous les examinerez tant que vous voudrez. Choba.
À vos ordres. Seront-ils à distance de tir? À peu près 3 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine? Nous contrôlons la situation. Nous sommes en possession de tous les missiles. Annulez les frappes aériennes. McDonald! Salut, vous deux. Te voilà enfin. Bon boulot, Forrester. Bonsoir. Sont à vous. Bien joué. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas revenir parmi nous? Ah, je vous remercie, capitaine, mais je crois que j'ai eu ma dose d'action pour un petit bout de temps. Et puis, avec Sacha, on a beaucoup de temps à rattraper. Écoutez, je vous recontacterai. Ça marche comme ça. Entendez.
I used to feel so empty, so deserted and so lonely. Les clés sont dans la boîte à gants. You took that pain away. No anger, no more furies. No fears living inside me. Now you love me. And I love ensemble pour la vie, mon amour. Si tu savais comme je t'aime, Max. Here is my heart. Here is my heart. I feel strong and brave. Such a brand new faith to believe. You have to understand me. Don't you crucify or damn me. Please stay by me, like smoke around the flame. Here is my heart. Here is my heart. I feel strong and brave. Such a brand new faith to believe. We'll never see an end. It's not a question of pride. It's not the